Alors, la première impression, c'est que c'est allé très vite. 10 ans après, quand je vois tout ce qu'on a eu à faire, j'ai un sentiment de fierté. On était la dernière banque en 2012, 24e banque sur 24. Aujourd'hui, on est dans le top 10 des banques. On avait, pour parler chiffres, 40 milliards de total bilan. Aujourd'hui, on est à près de 700 milliards de total bilan. On était sur un site. Aujourd'hui, on est sur 10 sites. On était 40 collaborateurs. Aujourd'hui, on est plus de 185 collaborateurs. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment, avec tous les collaborateurs, un sentiment de fierté du travail accompli. L'un des défis au quotidien, c'est la satisfaction de la clientèle de BG Fibank Côte d'Ivoire en fin de journée. Lorsqu'on fait le point, on doit se dire qu'on a pu gérer le problème du client parce que nous sommes confrontés à une clientèle très sélecte qui a besoin d'être écoutée. Et comment je fais pour y arriver? C'est justement être attentive, être réactive, et aussi appliquer beaucoup de résilience. Il existe au sein de BG Fibank Côte d'Ivoire des activités qui fédèrent, des activités qui permettent aux collègues, aux collaborateurs d'être tous ensemble. Ces activités-là créent un esprit de cohésion, un esprit fraternel et permettent aux collègues, aux collaborateurs de sortir leur esprit de créativité et d'être à l'aise pour pouvoir produire quelque chose de positif pour l'entreprise. Une personne qui souhaite intégrer BG Fibank Côte d'Ivoire devrait être une personne qui accepte les challenges, qui aime le travail, qui soit rigoureuse, parce que nous sommes une banque de référence et nous cultivons des valeurs. Dès la mise en relation avec BG Fibank en 2012, ce sont 10 années riches en termes de croissance, de relations fortes pour nous surtout, parce que dès le début, nous avions des lignes avec des banques de la place. Et à l'époque, quand BG Fibank nous approche, elle nous dit avec ce qu'on a comme garantie, elle nous offrait 3 fois plus en termes de facilité. Dès qu'on a reçu la notification de cette ligne-là, le DG Abaka Diaby et moi ne croyons pas. Donc, appelé à l'époque Christophe Deka et lui demander est-ce qu'il y a autre chose derrière cette notification-là. Il nous a dit ce n'est que le début, on ira plus loin avec vous. Et depuis lors, nous passons de 125 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui à pratiquement 934 millions de chiffre d'affaires, pratiquement 1 milliard. En termes de volume d'activité, on était à 3 milliards de volume d'activité, aujourd'hui on est pratiquement à 8 milliards de volume d'activité. On a suivi un peu aussi BG Fibank, on dirait qu'on a grandi ensemble. Quand j'arrivais, j'étais un peu stressée et on me posait des questions sur ce que je faisais déjà avant de l'autre côté, dans la banque où j'étais avant. Et donc, je me disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je m'étais déjà renseignée, c'est vrai, sur la banque, mais bon, c'est un peu l'aventure, quoi. Et on ne sait pas combien d'années on va passer dans cette banque, on ne sait pas la viabilité de la chose. Et j'étais agréablement surprise. J'étais très contente de l'avancée de BGFI. C'est-à-dire que chaque année, j'étais satisfaite d'être à BGFI. Avant de venir ici, j'étais caissière. J'ai évolué sur le chef de caisse. C'est quelque chose que j'apprends au quotidien. C'est une grande découverte, c'est tout. Et en plus, ça me donne envie même de découvrir encore d'autres postes, d'autres métiers dans la banque. Je pense que c'est celui-là, mon plus grand accomplissement. BGFI nous a toujours accompagnés. Pendant que certaines banques tergiversaient, n'avaient pas confiance, BGFI nous a accordé une enveloppe globale de près de 9 milliards 900, ce qui n'est pas vraiment négligeable. Et elle est la première banque que nous disposons aujourd'hui au niveau de nos activités. L'anecdote que je voulais vraiment partager avec vous, c'est que la première année, lorsque le chef d'agence est venu nous voir pour nous présenter BG Fibank, avec tout ce qui est avantage et qualité, on doutait un peu, est-ce que ce qu'on nous promet serait une réalité? On ne croyait pas trop. Et on a vu, après on a reçu la term sheet, on a vu vraiment que les choses deviennent un peu sur
Après, on a vu les lignes mises en place. On a commencé à utiliser ces lignes. La deuxième année encore, jusqu'à ce jour, donc on a vraiment... Dans nos débuts, c'était vraiment difficile, on ne croyait pas. On ne croyait pas. Et après, on a vu vraiment que le rêve est devenu réalité. La qualité de service m'a mené vraiment à demeurer toujours à BHF. Parce que, comparativement à d'autres banques où tu vas l'appeler, tu vas envoyer un mail, ça va faire au moins des semaines, on ne te répond pas, personne ne te répond. BHF, dès que tu envoies le mail, on me répond. J'appelle, on me réagit. J'ai besoin de tel montant par rapport à revenement caisse. On réagit. Les choses se passent vraiment rapidement, simple. Comme pour moi, ce n'était pas compliqué. Donc, vraiment, c'est la réactivité surtout des agents, depuis le gestionnaire jusqu'au tout. Vraiment, la réactivité. Et c'est ce qui nous motive pour davantage. J'aimerais que BHF Bank soit une banque citée parmi les meilleures banques au niveau international. C'est le vœu le plus ardent que je voudrais formuler à l'endroit de BHF Bank. Lorsque nous démarrons la banque en 2012, nous étions situés au 15e et 16e étage de l'IB Absi. Le temps que nos bureaux soient aménagés, on partageait tous le même espace. Ça nous a permis, nous qui venons de différents horizons, de raffermir nos liens et de créer cet esprit d'équipe-là qui nous a permis véritablement d'hisser la banque au rang où elle se trouve aujourd'hui. Les 10 ans de BHFI Bank pour moi, c'est comme une personne qui passe de l'enfance à l'adolescence, période durant laquelle il devra consolider les acquis, adopter les bonnes pratiques pour mieux aborder l'avenir. Nous n'avons pas vu le temps passer, tant le challenge était grand et beau à être levé. Le bilan, il est positif. Nous notons l'accompagnement dans la formation des collaborateurs. Pour ma part, j'ai eu l'opportunité de participer à l'ITB Management, qui est un diplôme reconnu international et de qualité. Qu'est-ce que je peux souhaiter pour BHFI Bank pour les 10 prochaines années? Beaucoup plus de clients, beaucoup plus de partenaires, être dans le top 5 des meilleures banques de Côte d'Ivoire. Je suis chauffeur à BHFI Bank Côte d'Ivoire depuis le 8-10e mois 2012. Ce qui m'a marqué le plus à BHFI Bank Côte d'Ivoire, on met tout le monde au même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence, tout le monde est pareil. Ça par contre, ça m'a beaucoup marqué. Que ça marche toujours. Ça n'a qu'à toujours marcher, BHFI Bank Côte d'Ivoire. Depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je peux subdiviser mon bilan en trois parties. La première partie a été d'arrêter l'hémorragie, les pertes. La deuxième partie a été de résorber ces pertes. Et la troisième partie a été de pouvoir payer des dividendes à nos actionnaires. Mon plus bel accomplissement au sein de BHFI Bank Côte d'Ivoire a été de pouvoir fédérer mon staff, mes collaborateurs autour de l'idéal commun qui est l'atteinte des objectifs que nous a assigné le conseil d'administration. Mes vœux pour les 10 prochaines années pour BHFI Bank Côte d'Ivoire, c'est de continuer à atteindre les objectifs fixés par le président du groupe Henri-Claude Oyema et être dans le top 5 des banques de Côte d'Ivoire. Le bilan pour moi, il est positif. En ce sens que nous avions eu la possibilité d'apporter notre pierre à l'édifice, ce qui a été source de motivation, de dépassement de soi et d'apprentissage. Concrètement parlant, nous avions eu à élaborer des procédures de caisse qui soient fiabilisées et éprouvées, écartant ainsi toute possibilité de fraude au niveau de la caisse. Nous avions travaillé sur l'application BHFI Mobile, sur l'activité électronique et sur la banque assurance. Tous ces aspects ont été fort enrichissants sur le plan personnel et professionnel. La qualité de vie est parfaite, la solidarité et l'ambiance ont un bon impact sur la fidélisation du staff. Aujourd'hui, nous passons plus de temps au travail, il est assez important d'avoir un cadre qui soit assez sain, qui soit assez cordial et convivial. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place au sein de BHFI Bank Côte d'Ivoire. Mon plus bel accomplissement à BHFI Bank Côte d'Ivoire est l'accompagnement des plus jeunes, les motiver, les soutenir et les aider à faire éclore leurs plus belles graines en vue de pouvoir participer à la réalisation des objectifs de BHFI Bank Côte d'Ivoire. Il y a 10 ans, le 5 janvier 2012, le groupe BHFI Bank inaugurait sa deuxième filiale en Afrique de l'Ouest, BHFI Bank Côte d'Ivoire. Ces 10 années constituent une courte période comparée au projet ambitieux du groupe pour l'Afrique, mais une période riche de succès. Alors, je profite de cette occasion pour saluer
l'excellent travail accompli par les équipes de BG Banque Côte d'Ivoire, en tête desquelles le directeur régional de la zone CEDEAO et administrateur directeur général de la filiale, M. Malik Ndiaye. Vous avez su relever le défi de révolutionner les services bancaires et financiers en Côte d'Ivoire, en offrant à nos clientèles non pas une banque de plus, mais une banque différente. C'est par votre engagement à nos valeurs de travail, d'intégrité, de transparence, de responsabilité et d'esprit d'équipe, votre assiduité, votre conscience professionnelle que vous donnez vie au groupe en Côte d'Ivoire, afin de nous permettre de participer pleinement au financement de l'économie de ce pays. Joyeux anniversaire à BG Banque Côte d'Ivoire. C'est 10 ans d'une histoire tournée vers l'avenir. Joyeux 10 ans BGFI Banque Côte d'Ivoire. À BGFI Banque, notre partenaire pour la vie, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Joyeux 10 ans d'existence. Joyeux 10 ans BGFI Banque. Joyeux anniversaire à tous les BGFIennes et BGFIens. Joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire BGFI Banque Côte d'Ivoire. Heureux 10 ans BGFI Banque Côte d'Ivoire. BGFI Banque Côte d'Ivoire, c'est l'histoire d'hommes et de femmes compétents et passionnés par le travail bien fait et qui ont fait de la satisfaction client leur leitmotiv et leur fer de lance. C'est avec professionnalisme, abnégation, ambition et persévérance que nous avons hissé BGFI Banque au top 10 des banques en Côte d'Ivoire. C'est dans la cohésion parfaite et le regard confiant en l'avenir que nous relèverons les défis futurs. Bravo à toutes et à tous, joyeux anniversaire à nous et longue vie à BGFI Banque Côte d'Ivoire.